Bonjour tout le monde, me voilà encore avec une autre leçon de lecture et phonologie. Si vous avez des questions ou bien des remarques à propos des cours, n'hésitez pas de me contacter sur le groupe WhatsApp et je vous répondrai chaque jour de lundi à samedi de 14h à 16h. Mon numéro WhatsApp est 07 62 67 64 64. Avant de commencer notre cours, nous allons faire une petite correction des exercices de la leçon précédente. Allons-y. Premier exercice. J'entoure le dessin quand j'entends le son J. J'entoure le dessin quand j'entends le son J. Jaune, gâteau, journal, bougie, girafe, chapeau. Je répète. Jaune, gâteau, journal, bougie, girafe, chapeau. Les mots qui contiennent le son « je » sont « jaune »,« journal », »,« bougie », »,« girafe ». « Jaune », »,« journal », »,« bougie », »,« girafe ». Très bien. Deuxième exercice. J'entoure là où les syllabes où j'entends le son J. J'entoure la syllabe où j'entends le son J. J-lé, j-lé. Bijou, bijou. Plongeoir, plongeoir. Jouer, jouer. Je lis les mots. Gilet, bijou, plongeoir, jouet. Donc la réponse est J dans le premier mot, gilet, c'est la première syllabe. Le deuxième mot, bijou, joue, la deuxième syllabe. Plongeoir, la deuxième syllabe, joir. Joue. Oui, la première syllabe, joue. Très bien. Dans le dernier exercice, je vous ai demandé de compléter avec J, G ou je. Un pigeon. On dit un pigeon avec J ou bien avec GE. Regardez bien, réfléchissez bien. Un jardinier. Avec J, avec G ou bien avec J. Un jambon. Avec J, G ou bien je. La neige. Avec J ou bien avec G. Une cage. J ou bien G. Un bougeoir, avec J, avec G ou bien avec je. Donc la réponse du premier mot est pigeon. Un pigeon, avec je, G-E. Ça donne le son je. Puisqu'on a le O et la syllabe en, donc on va écrire je avec G-E. Jardinier, J. Jambon, J. La neige, puisqu'on a la voyelle E à la fin, donc on va écrire simplement G. Cage, la même chose, G. Bougeoir, on a war à la fin, donc on va écrire J avec GE. Bravo.
Rebonjour. La leçon d'aujourd'hui est la leçon de phonologie et de lecture. Notre son d'aujourd'hui, c'est le son wa. L'objectif de la leçon est 1. La conscience phonologique du son wa. La discrimination visuelle du graphème wa dans un mot. La facilité de la prononciation des syllabes ou bien des mots. Première étape, j'écoute la consigne. Il était une fois trois petites oies qui allaient au bois ramasser des noix pour les offrir au roi. Je répète. Il était une fois trois petites oies qui allaient au bois ramasser des noix pour les offrir au roi. Je répète. Il était une fois trois petites oies qui allaient au bois ramasser des noix pour les offrir au roi. Quel est le son qui se répète? Quel est le son qui se répète? Bravo! Le son qui se répète, c'est le son wa. Allons-y tous ensemble. Il était une fois trois petites oies qui allaient au bois ramasser des noix pour les offrir au roi. Donc on a le mot fois, on a le mot trois. On a le mot wa, bois, noix et le mot roi. Deuxième étape, j'identifie le phonème. Donc on a déjà identifié notre phonème. Notre phonème est le son wa. Lisons ensemble les mots suivants. Un mouchoir, un mouchoir. Trois, trois. Une oie, une oie. Du bois, du bois. Des noix, des noix. Un roi, un roi. Un petit pois, un petit pois. Un toit, un toit. Le soir, le soir. Un miroir, un miroir. Prenez les ardoises, écrivez le mot mouchoir. Mouchoir. Très bien. Effacez. Écrivez le mot trois. Trois. Bravo. Maintenant, écrivez le mot une oie. Une oie. Le mot suivant. Du bois. Du bois. Effacez, écrivez des noix, des noix. Un roi, un roi. Effacez, écrivez un petit pois, un petit pois. Bravo. Maintenant, effacez, écrivez les mots suivants. Un toit, un toit. Le soir, le soir. Un miroir, un miroir. Très bien. Très
Très bien, passons maintenant à la troisième étape, lecture du son wa. Faisons un petit rappel. Allez-y, répétez après moi. Un mouchoir. Un mouchoir. Trois. Trois. Une oie. Une oie. Du bois. Du bois. Des noix. Des noix. Un roi. Un roi. Un petit pois. Un petit pois. Un toit. Un toit. Le soir. Le soir. Un miroir. Un miroir. Bravo. Écrivez les mots suivants et lisez-les. Très bien. Allez-y, passons à la lecture des syllabes avec le son wa. Posez vos ardoises, ne touchez à rien du tout et écoutez-moi. Écoutez bien. B plus wa, ça donne bois. Comme le mot bois. D plus wa, ça donne doigt. Comme le mot doigt. Un doigt, deux doigts, trois doigts, vous avez 5 doigts sur la main. G plus wa, ça donne gua, comme angoissé. C'est l'équivalent de déprimé. Je suis angoissé, je suis déprimé, je ne me sens pas bien. Ou bien je ne me sens pas dans mon assiette. C'est une expression française. J plus soi, ça donne joie, comme la joie. Je suis joyeuse, je suis contente, joie. N plus soi, ça donne noix, des noix. T plus soi, ça donne toi, comme trottoir. P plus soi, ça donne poids, comme un poids ou bien un poisson. C plus soi, ça donne quoi, comme coiffeur. F plus soi, ça donne froid, comme froid, j'ai froid. En hiver, j'ai froid. En été, j'ai chaud. Ch plus soi, ça donne choix, comme mouchoir. Mouchoir. L plus soi, ça donne loi, comme couloir. Vous avez tous un couloir dans votre maison. M plus soi, ça donne moi, comme armoire. S plus soi, ça donne soi, comme soir ou bonsoir. V plus soi, ça donne voix, comme voiture. Allons-y tous ensemble, répétez après moi. B plus soi, bois. Comme bois. D plus soi, doigt. Comme un doigt. G plus soi, goi. Comme angoissé. J plus soi, ça donne joie. Comme la joie. N plus soi, ça donne noix. Comme des noix. T
c'est plus soi, ça donne toi. Comme trottoir. P plus soi, ça donne poids. Comme poisson. C plus soi, ça donne quoi. Comme coiffeur. F plus soi, ça donne foie. Comme froid. Ch plus soi, ça donne mouchoir. L plus soi, ça donne loi. Comme couloir. M plus soi, ça donne moi. Comme armoire. S plus soi, ça donne soi. Comme soir ou bien bonsoir. V plus soi, ça donne voix. Comme voiture. Allez-y, prenez vos ardoises, écrivez les syllabes et les mots et répétez-les. Je vais répéter que les mots maintenant. Bois, un doigt, angoissé, la joie, des noix, trottoir, poisson, coiffeur, froid, mouchoir, couloir, armoire, soir, bonsoir, voiture. Très bien. Passons tous ensemble à l'application maintenant dans notre quatrième étape. Je vais lire la phrase et vous allez me dire les mots qui contiennent le son « wa » dans cette phrase-là. Allez-y, écoutez. Écoutez. Devant le miroir, Gary se voit et coiffe ses poils. Je relis. Devant le miroir, Gary se voit et coiffe ses poils. Devant le miroir, Gary se voit et coiffe ses poils. Allez-y, quels sont les mots qui contiennent le son « wa » ? Réfléchissez. Bravo! Les mots qui contiennent le son « wa » sont « miroir »,« voix », »,« coiffe », »,« poil ». Prenez vos ardoises, écrivez ces mots-là. « Miroir »,« voix », »,« coiffe », »,« poil ». Bravo! Deuxième phrase de notre exercice. Écoutez. Parfois, dans le noir, Benoît a peur qu'il y ait un loup dans son armoire. Je relis. Parfois, dans le noir, Benoît a peur qu'il y ait un loup dans son armoire. Je relis. Parfois, dans le noir, Benoît a peur qu'il y ait un loup dans son armoire. Quels sont les mots qui contiennent le son « wa » ? Réfléchissez. Bravo! Les mots qui contiennent le son « wa » sont « parfois »,« noir »,« benoît », »,« armoire ». Prenez vos ardoises, écrivez le mot « parfois ».
parfois, noir, noir, baignoire, baignoire, armoire, armoire. Très bien. Nous avons fini notre petite évaluation ou bien application. Passons maintenant à d'autres choses. Cinquième étape, lecture. Vous allez prendre votre manuel vert et vous allez lire les mots sur la page du manuel 60, sur la page 66. Prenez votre manuel, ouvrez la page 66 et lisez les mots qui sont sur la page. Passons maintenant à la sixième étape de notre leçon. C'est la partie d'exercice. Mais avant de commencer les exercices, nous allons faire un petit renforcement. Donc, le son wa s'écrit avec les lettres wa, O-I, qui donne le son wa. Ou bien O-U-A, le son wa. Mais concentrons-nous maintenant sur le son wa qui s'écrit avec O-I. Répétez après moi. Mouchoir. Mouchoir. Putois. Putois. Croissant. Croissant. Arrosoir. Arrosoir. Baignoire. Baignoire. Oiseau. Oiseau. Prenez les ardoises. Écrivez le mot mouchoir. Très bien. Écrivez putois. Putois. Croissant. Croissant. Arrosoir. Arrosoir. Baignoire. Baignoire. Oiseau. Oiseau. Bravo. L'étape finale de notre cours est les exercices. Donc, je vous explique les exercices à faire. Vous pouvez les faire sur un cahier de brouillon, sur les ardoises, sur une feuille, un autre cahier d'exercices que vous avez à la maison, si vous avez un. Ou bien, simplement, vous les faites oralement avec vos parents. C'est suffisant. Donc, vous aurez la correction des exercices dans le prochain cours de lecture et phonologie. Passons aux questions. J'entoure le dessin quand j'entends le son « wa ». J'entoure le dessin quand j'entends le son « wa ». Arrosoir. Baignoire. Koala. Fourmi. Miroir, camion. Je répète, arrosoir, baignoire, koala, fourmi, miroir, camion. Deuxième exercice. J'entoure la syllabe où j'entends le son wa. Noir. Noir. Ar. Moi. Re. Ar. Moi. Re.
Passoire. Passoire. Croissant. Croissant. Troisième exercice. Je complète avec pois, moi, toi, noix, bois ou bien choix. Allez-y. Le premier mot. Est-ce qu'on va dire un? Choisson. Un. Boisson. Un. Noisson. Un. Toisson. Un moisson ou bien un poisson. Deuxième mot. Est-ce qu'on va dire un poineau, un moineau, un toineau, un noineau, un boineau ou bien un chouaneau. Troisième mot. On dit une poisson, une moisson, une toisson, une noisson, une choisson ou bien une boisson. Quatrième mot, on dit une époile, une émoile, une énoile, une éboile, une échoile ou bien une étoile. Le mot suivant. On dit une poix, une moi, une toi, une bois, une choix ou bien une noix. Le dernier mot. Est-ce qu'on va dire un moupoir, un moumoir, un moutoir, un mounoir, un mouboir ou bien un mouchoir. Réfléchissez bien. Très bien. Voilà mes chers enfants, nous avons fini notre leçon. Bravo, je suis fière de vous, vous avez bien travaillé. Continuez à vous renforcer en écoutant la leçon plusieurs fois. Continuez à écrire les mots, à répéter les mots, à faire votre lecture, page 66. Si vous avez des remarques ou bien des questions concernant le cours ou bien les cours passés, n'hésitez pas à me laisser un message chaque jour de lundi à samedi de 14h à 16h sur mon numéro WhatsApp. Je vous contacterai durant cette période-là, de 14h à 16h. Votre maîtresse qui vous adore, Rizlin. À la prochaine!